tous les amis, c'est Nabets, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ravenbrook's Nikki's Torment. Ceci est un fan game de Five Nights at Freddy's et je pense que ça se voit, mais de Alone in the Dark 2. Aujourd'hui on va découvrir ce jeu parce que j'avais vraiment hâte de le tester et parce que ça faisait un bon bout de temps que ce jeu faisait parler de lui, on va dire. Et dans ce jeu tout simplement on incarne Nikki, hein, c'est logique, hein, Nikki's Torment. Les tourments de Nikki. Dans ce jeu, notre seule tâche sera de s'enfuir de l'emprise de notre nouveau voisin qui est devenu, animatronique. Donc c'est parti les amis, alors je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal avec le full screen. Alors je vais vraiment faire de mon mieux au niveau du montage. Mais écoutez, voilà, je sais pas pourquoi ce jeu, et puis même Escape the Backrooms hier avait du mal. Alors écoutez, je vais faire de mon mieux. Alors écoutez, voilà. Ok, alors déjà j'ai l'impression qu'on est déjà dans la cave en fait, c'est ça. Ok, appuie sur F pour allumer la flashlight, très bien. Oh. Activer le levier, on peut se cacher dans les placards et sous les tables, très bien. C'est quoi ça? Y'a rien là? D'accord. Oh, il y a déjà du bruit. C'est pas moi qui ai ouvert la porte. Elle sait. Oh, les amis, pas de retour arrière. Là, je cours. D'accord. Oh, il y a une porte là. C'est ça les trois leviers là. Les trois leviers à actionner là. Oh, y'a des pas. Oh, il faut trouver une clé bleue là. Oh, alors là, même pas j'y vais. Je trouve une clé jaune. C'est bien ça, je peux me cacher. Alors, c'est bien dommage parce qu'il n'y a pas de petite musique qui accompagne. Après tout, il y a toujours le son du jeu. Hang up that computer call. Come over here and kiss me on my hot mouth. What the fuck? I'm feeling romantical. C'est pas vrai. Le développeur, c'est un génie. Ah, il a mis un mème. Ah, c'est un génie. Ok, donc du coup je peux m'accroupir pour aller pour me cacher ici, très bien. Alors, j'ai vu les avis du jeu vite fait. Je me suis renseigné bien sûr avant de l'installer. Et à ce qui paraît, il est incroyable le jeu. Mais très court. Oh, je le sens pas. Let's go, j'ai la clé bleue. Oh, oh, il est là. Il est là, les amis. Les yeux verts. Je vous jure, c'est ça, c'est lui. C'est lui, c'est les yeux verts, je l'ai vu bouger. Ok, ouais, mais c'est bon, j'ai compris. Oh, Da Games. Now get out. Ah, je connais la musique. Elle est vraiment cool celle-là en plus. Écoutez, il faut que je retrouve la clé, la porte avec la clé bleue. Ah bah tiens, magnifique la voilà. Je peux ouvrir? Un levier.
Là, c'est JT Musique là. Oh, la clé rouge. Trop bien. Done. Voilà. Tiens, let's go. Oh putain. Eh les gars. On va s'enfuir. C'est déjà fini là. Oh, à mon avis, il se passe autre chose. Hein. Comme dans tous les Leunig Bore. What? Ah non, c'était un cauchemar. Très bien. Nicky, dinner's ready. Ok. Nicky, réveille-toi. Qu'est-ce qu'il y a sous le lit? Ok, et eh ben c'est bon, c'est fini. Voilà. Et eh ben en tout cas, je suis complètement d'accord avec les avis. Le jeu est vraiment très très court et c'est vraiment dommage. Bah alors, en tout cas, waouh! Il est extrêmement stylé. Hein. Bon, et eh ben voilà. Bah écoutez, les amis, en tout cas, on va pas s'arrêter là tout de suite. Parce que... vous y attendez, hein. Eh ben non, parce qu'on va pas s'arrêter là tout de suite. Parce que... On va quand même essayer, bah, de le voir, ce voisin, hein. Quand même. Bah oui, allez, c'est parti, on y retourne. Mais le développeur, il a oublié de mettre l'IA, ou c'est comment? Parce que là, les gars... Ouah, le crâne. What? Oh. Je voudrais qu'il me voie, moi. Regardez-le, c'est vraiment un animatronique. Oh, oh, je... oh, il va vite en plus. Il va vite. Oh oui, il va vite. Il est trop agressif quand il est proche de moi. Et il est très très proche de moi. Waouh! Ah, je voulais me cacher, mais il m'a eu. What the fuck? C'était vraiment super. Oh, regardez l'écran! L'écran avec la musique et tout. Non mais le gars qui a fait le jeu, c'est un monstre. Juré, c'est un monstre. Attention, jumpscare.
Bon bah voilà, bah en tout cas bah les amis, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner en activant la cloche de notification pour ne plus rater aucune des prochaines vidéos. Demain, je vais faire une deuxième vidéo sur un modèle Unicorn. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas la rater, hein, cette vidéo-là. Et sur un mode bien particulier en plus de ça. Sur ce les amis, c'était Nabets, prenez soin de vous. Bye!